Bonsoir à tous, 18h01, c'est Zéro Net TV, nous sommes le 14 janvier 2016 et comme chaque jeudi soir, nous sommes en direct pour 30 minutes de débriefing de toute l'actualité high-tech. Merci d'être là dans Zéro 1 Live Hebdo. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous et c'est le premier Zéro 1 Live Hebdo de la saison. Et oui. Enfin presque. Si on compte pas ceux qu'on a réalisés depuis Las Vegas. Et parce oui. que vous n'étiez pas au courant. Et oui, on revient de Las Vegas. Mais ça se voit pas sous nos yeux, on est un petit peu jet-lagué. Mais je suis sûr que vous étiez là. Oui. Vous nous avez suivis pendant cet événement incroyable, une semaine entière à Las Vegas au CES. Avec quatre lives d'ailleurs que vous pouvez retrouver en replay à la fois sur Zéronet TV, YouTube et Dailymotion, bien évidemment. On vous les recommande. Ouais. Vous les faites au coin du feu, ça fait toujours plaisir. Tranquillement, avec votre fiancé, vous allez voir, ça va l'impressionner. Bon, ce soir, François. Allez, alors, reprend les bonnes habitudes. Reprend les bonnes habitudes avec cette rumeur qui enflamme le web, Jérôme. L'iPhone 7 n'aurait plus de port jack. Tadam ! Oh my god, comment on va faire ? Comment va-t-on faire ? C'est pas magnifique ! Et ça pose plein de questions qu'on va essayer de dépatouiller ce soir tous ensemble. La chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier sera consacrée à Wikipédia qui fête ses 15 ans, vous savez, l'encyclopédie en ligne. Et il y a tellement d'histoires à raconter autour de Wikipédia. Oui, notamment le ministère de l'Intérieur qui interdit Wikipédia, visiblement. Qui s'est fait bannir voilà, de Wikipédia. Qui s'est fait bannir de Wikipédia. On en parlera tout à l'heure. Et puis Jean-Sébastien Zanqui, qui lui aussi n'est pas du tout jetlagué, sera avec nous tout à l'heure pour notre rendez-vous labo. Est-ce que vous connaissez la marque de smartphone Oukitel ? Ou quoi ? Oukitel. Non. Alors évidemment vous ne connaissez pas, nous non plus. Mais Jean-Sébastien a testé et vous allez voir ce sont des téléphones qui viennent zip directement de Chine et qui ont quelques atouts. Voilà, malgré le nom un peu bizarre. C'est le sommaire de ce soir, comme d'habitude vous pouvez interagir. Pour cela, une seule adresse Twitter, hashtag 01Live. Bienvenue, c'est 01Live Hebdo. Et encore une fois, bonne année à vous toutes et à vous tous, comme nous le souligne Caribou qui vient de nous rejoindre sur Twitter. Caribou oh. Hashtag 01Live, si vous voulez nous laisser vos petits messages Caribou. Ce soir, si vous êtes avec nous. Il est au Québec, Caribou? Et peut-être, on peut lui poser la question. Caribou, où es-tu? Où es-tu? Voilà, Caribou, où es-tu? Jérôme, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ces rumeurs concernant l'iPhone 7, oui. Un mot sur notre sondage de ce soir. Notre sondage de ce soir, il concerne le sujet d'actu, bien entendu. C'est-à-dire cette histoire de... je sais plus où je l'ai mise, la question. Cette histoire d'iPhone 7. Mon Dieu, voilà. Et oui, voilà, l'iPhone 7 sans port jack. Alors ça, c'est vraiment une rumeur qui court actuellement. Achèteriez-vous un iPhone sans prise jack? Sérieusement? Hein? Alors oui, rappelons quand même ce que c'est que la prise jack. C'est pas la prise jack. Quel bel homme ce jack. Attends. D'abord, pour c'est voter. La prise casque. Ça, on va en parler dans un instant. Pour voter, vous allez sur www.01nettv.com et vous cliquez oui ou non. Vous nous donnez votre avis et comme ça, on en parle tous voilà. ensemble. Allez-y, donnez-nous votre avis. Oui, donc la prise. Alors jack, maintenant, attention. Ouvrons ce gros dossier. Oui, c'est quand même un gros dossier. Oui, la prise jack, c'est la prise casque, tout simplement. Cette prise qui existe sur la plupart des appareils électroniques qui nous entourent. Voilà, que ce soit les tablettes, là, les smartphones, etc. Il y a partout une prise jack. Bah hein, oui. Bon, sauf sur les friteuses, parce que ça n'a pas de sens. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait, Jérôme? Sur l'iPhone 7, il n'y aurait plus de prise jack? Voilà, c'est une rumeur plutôt sérieuse, visiblement, parce qu'elle émanerait de fuites dans les plus hautes sphères de la compagnie Apple. Fuites selon lesquelles, eh bien oui, le futur iPhone, on ne sait pas encore comment il s'appellera, hein, on parlait d'iPhone 7, mais c'est pour résumer, eh bien il n'aurait pas de prise jack. Pourquoi? Pour faire un iPhone encore plus beau, encore plus magique, encore plus spectaculaire. Là, j'anticipe, c'est comme ça que va nous le vendre Tim Cook, bien évidemment. Et bien sûr, il est so amazing. Incroyable. Il sera 63% plus sympa, ce nouvel iPhone 7, vous allez voir. Et 19,4% plus rigolo. Oui. Mais surtout, il devrait être plus fin. Oui, de 42,5%. Parce que si vous regardez bien la tranche d'un iPhone, la tranche de l'iPhone, ça peut être vous voyez que la fameuse prise jack occupe quasiment toute la largeur de l'appareil. Donc c'est vrai que si on veut faire plus petit, il faut la virer cette prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, Jonathan Ive est un malade de la finesse des objets. Le designer en chef d'Apple. Exactement. Si on veut
affiner encore l'iPhone, on est obligé d'enlever la prise jack parce qu'aujourd'hui on a atteint les limites physiques. Et d'ailleurs on le voit bien sur ces images, c'est-à-dire que en fait la prise jack, le diamètre de la prise jack représente toute l'épaisseur de l'iPhone. C'est exactement ce que je viens de dire. Non mais on a bien compris, mais c'est vraiment pour être bien précis. Voilà, sur ce donc sujet. On va le refaire. Vous voyez la largeur. Non sérieusement. Donc voilà, l'idée ce serait ça. Et alors évidemment ça pose des problèmes parce que quand même tu l'as dit, on est super attaché à cette prise. Accessoirement elle est assez pratique, elle est universelle, c'est la même sur tous les appareils. Ça marche, voilà. On peut. Et puis on en a besoin. C'est pour écouter de la musique, pour écouter le son. Ouais, mais écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu dis on en a besoin parce que toi t'es hyper conservateur, t'aimes bien les vinyles, t'aimes bien les cassettes audio, etc. Mais il faut avancer avec son temps, Jérôme. Il faut avancer avec son temps. La prise jack, ça fait combien de dizaines d'années que ça existe ? Ouh là 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 là. D'abord elle était beaucoup plus grosse, après il y a eu cette taille-là. Voilà, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il faut quand même évoluer. Aujourd'hui, tu as une prise universelle sur l'iPhone, en tout cas une prise qui où toutes les données passent, qui est la prise Lightning. D'accord. Dans cette prise Lightning, on peut envoyer du son, on peut envoyer de la vidéo, ça recharge, c'est un peu comme l'USB-C finalement, qui est la nouvelle norme de l'USB. Alors pourquoi ne pas, et je trouve que c'est plutôt malin de la part d'Apple, d'enlever la prise jack et de sortir des casques qu'on brancherait directement sur la prise Lightning. Effectivement, donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de faire passer les jacks là-dessus. Sauf que tu vois bien qu'il y a un problème. Où ? Bah, la prise Lightning, elle est rectangulaire, elle est multi-contact. Non mais tu veux dire par là que même en forçant avec un marteau, non, j'y arriverai ça, pas, ça rentrera pas. Donc il va falloir un adaptateur. Ouais, donc, mais t'imagines, attends, on a des adaptateurs pour tout maintenant, donc écoute, un petit adaptateur. En revanche, il faudrait qu'Apple le livre dans la boîte. Ça serait alors, bien. Alors ça, apparemment, ce serait possible, ce serait envisagé. Donc on se dit, ouais, chouette, Apple ne va pas nous le faire payer $30, il va le fournir directement. Super, sauf qu'en contrepartie, il n'y aurait carrément plus de casque. Mais bon, ça c'est des rumeurs. On est d'accord. On aurait un iPhone sans casque. Non, ça j'y crois pas, c'est pas possible. C'est ce qui se dit. C'est ce parce qui que se dit. Là aussi, l'autre rumeur qui circule, c'est que la prise Lightning permettrait d'avoir un meilleur son. Ah, alors ça c'est intéressant. On est ça, d'accord. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, la prise jack, vous avez vu qu'aujourd'hui, franchement, on a bien étudié le sujet. La prise jack, c'est du son analogique. C'est-à-dire que vous avez le son de votre iPhone qui va être en fait démodulé de manière, parce qu'en fait le son est numérique dans votre iPhone, là il va être transformé en analogique pour pouvoir sortir via la prise jack. L'avantage du Lightning, c'est qu'on garderait le flux numérique jusqu'aux oreillettes, en fait, jusqu'au casque. Donc on aurait un meilleur son. Et ce serait mieux pour le son en haute résolution, le Hi-Res. Alors voilà, ça c'est la deuxième rumeur, c'est-à-dire que Apple attendrait la rentrée pour annoncer donc cet iPhone 7 avec une prise Lightning, mais en plus une mise à jour d'Apple Music et pourquoi pas de iTunes, où on verrait enfin l'arrivée du son haute résolution dont on commence à nous bassiner les oreilles depuis quelques mois. Effectivement. Alors en tout cas, ça aurait du sens. Oui, ce serait pas complètement absurde. Et surtout, c'est vrai que c'est un peu choquant entre guillemets. En même temps, c'est pas la fin des haricots, mais c'est Apple a toujours fait comme ça. Apple a toujours fait des révolutions et des ruptures très violentes. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, ils ont été les premiers à enlever le lecteur de disquette. C'est vrai. Et tout le monde a poussé des cris d'orfraie. Ensuite, on a enlevé le lecteur de DVD. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu la prise 13 broches, hein, qui était le premier connecteur des iPhones, des tout premiers iPhones et des tout premiers iPads. Du jour au lendemain, allez, bim ! Ouais. Tous vos accessoires, les docks, les trucs et tout, allez, hop là, on change de câble. Mais, on s'en souvient de ça. Bien sûr, mais... Et d'ailleurs, ça avait... Il y avait quand même un mécontentement de la part de tous les utilisateurs. Alors d'iPhone. Que c'était pas totalement justifié, parce que c'était quand même la seule fois depuis le début, depuis la naissance de l'iPhone, qu'il y avait un changement. Hein. Ouais, et puis c'était surtout une étape vers l'amincissement des appareils, parce que cette prise jack, mine de rien, elle était quand même assez épaisse. La prise, tu parles du gros connecteur. La prise 13 broches, elle était quand même assez épaisse, donc 30. En passant par le Lightning, on arrivait encore une fois à rogner sur l'épaisseur des objets. Ouais. Et puis, ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'ils ont fait ce genre de choses assez violentes, mine de rien, ils ont été suivis. Alors, pas pour le connecteur, mais pour le DVD, pour le lecteur de disquette. Après, ils ont ouvert la brèche et tout le monde s'est engouffré là-dessus. Exactement. On a vu arriver plein de PC qui n'avaient plus ces choses-là. Mais il faut savoir que... excuse-moi, je te coupe, mais cette prise Lightning, c'est quand même un concentré de technologie. Parce que, je le disais tout à l'heure, donc le son, l'image passe, mais aussi l'énergie. Et on peut imaginer, par exemple...
avoir un casque haute résolution. Qui serait alimenté par l'iPhone. S'il n'a plus de batterie. bonjour la batterie de l'iPhone. Alors c'est ça le problème. Mais on pourrait très bien imaginer ce genre de casque qui serait alimenté simplement quand on le brancherait sur l'iPhone pour justement restituer du son haute résolution. Mais alors, ça a du sens en fait. C'est pas complètement aberrant. Cela dit, rien ne dit à ce jour que c'est la prise Lightning qui sera sur le futur iPhone. Pourquoi est-ce qu'il n'en profiterait pas à ce moment-là pour changer de connecteur et passer à la prise qui a priori va devenir le connecteur universel qui est l'USB-C. Ils l'ont déjà adopté, sur le nouveau MacBook. Oui, mais et ce serait plus logique. Mais rappelle-toi, le Lightning est arrivé avec l'iPhone 5. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2012. Ah, tu veux dire que c'est pas assez vieux. C'était en 2012, oui. Le Lightning. La révolution. Il y a 3 ans. Voilà, c'était il y a 3 ans. Je pense que pour Apple, il serait incroyable et inconcevable qu'au bout de 3 ans, alors qu'ils viennent d'instaurer un nouveau système, en tout cas une nouvelle connectique qui s'appelle le Lightning, au bout de 3 ans, allez, on fait table rase et on passe à l'USB-C. Oui, mais de toute façon, et puis, n'oublie pas aussi une chose, c'est que l'USB-C est une vraie mine d'or pour Apple. Parce que, le Lightning. Pourquoi ? Parce que dans le Lightning, il y a une puce propriétaire que tous les accessoiristes paye à Apple pour que les appareils soient compatibles. Ou alors ils ne la payent pas, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des accessoires, typiquement des câbles qui sont compatibles pendant un certain moment. Voilà, des câbles chinois que vous achetez peut-être 5 euros, qui vont marcher, et puis un jour il y a une mise à jour d'un iPhone ou d'un iPad, 3 mois plus tard, ça ne marche plus. Donc en fait, à mon avis, même en termes de business, Apple n'est pas prêt de lâcher le Lightning, tout simplement parce que c'est, à mon avis pour eux, une manne financière importante. Et le jour où ils passeront à l'USB-C, eh bien ils gagneront beaucoup moins d'argent avec tous les accessoires. Alors on a quelques commentaires intéressants sur Twitter, François. On a Leaf qui nous dit « En tant que musicien, j'enregistre beaucoup sur mon iPad et je n'utilise pas le jack, même pour le casque, j'utilise que le Lightning. » Eh bien voilà. Mais il faut savoir qu'il existe déjà. Philips a sorti un casque il y a quelques temps de cela, un Fidelio, qui justement fait transiter le son, non pas par la prise jack, mais par la prise Lightning. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Alors pour l'instant, c'est encore assez anecdotique, il y a très peu de marques qui se lancent là-dessus, mais véritablement, si on veut monter en qualité, en matière de son, et si on passe en haute résolution, c'est pas une aberration de faire passer le son par le Lightning. Alors moi je maintiens simplement que ce serait l'occasion, j'entends bien tes réserves sur le fait que le Lightning n'est pas ancien, mais ce serait l'occasion de passer à l'USB-C, parce qu'en 2017 il va falloir un connecteur universel sur tous les appareils, et a priori ça va être l'USB-C, donc ils vont pas encore jouer comme ça, faire cavalier seul pendant des années. Et t'as vu comme c'est flou en plus cette législation européenne concernant les connecteurs, les chargeurs, on sait pas trop si c'est les connecteurs, si c'est les chargeurs qui doivent être standardisés, universels. Alors moi j'avais cru comprendre que c'était le chargeur au départ qui devait être universel, c'est-à-dire qu'il devait simplement avoir une prise femelle USB pour qu'on puisse brancher n'importe quel câble en fait. Non, justement, il ne faut plus qu'il y ait des câbles, qu'il y ait des câbles spécifiques pour chaque appareil. Mais ça reste sans doute à préciser, ce genre de choses. Tiens, si on parlait aussi du Bluetooth, parce que c'est une rumeur également, selon laquelle il n'y aurait plus de Bluetooth sur l'iPhone. Si, il y aurait du Bluetooth, mais il y aurait des oreillettes Bluetooth, alors des oreillettes révolutionnaires, bien entendu. Ce seraient des oreillettes séparées, plus de fils. C'est-à-dire que d'habitude, des oreilles Bluetooth, il y a quand même une armature et quelque chose qui relie les deux ensemble. Oui. Là, ce seraient deux oreillettes séparées, vous les mettez dans vos oreilles, et hop, vous êtes connecté à l'iPhone. T'imagines un peu là les pertes, ça va être horrible. On perd une oreillette, bah écoutez, il faut en racheter une. Mais comme ça va pas marcher avec l'autre, il faut racheter deux oreillettes. Ouais, voilà, il faudra qu'ils les vendent par trois. Ouais. Et puis il faut les recharger en plus en On a vu des choses comme ça à Las Vegas. Oui, on a vu des choses comme ça. On a vu des choses assez intéressantes, des petites des trucs oreillettes un peu sous le manteau, Bah, ce sont des prototypes qu'on a eu la chance d'apercevoir. C'était plutôt joli, c'était plutôt pas mal, et ça permettrait. Alors c'est génial parce qu'en plus c'est complètement invisible de l'extérieur. Et on aurait à la fois l'audio mais également un micro, donc on pourrait téléphoner, on pourrait activer Siri. En fait, c'est exactement le film Her, tu sais, oui, où on est dans la nature et dans la vraie vie. Et on parle à son smartphone et on est amoureux de son... Tout va de bien, son assistant virtuel. L'année 2016 s'annonce bien, les amis. Ça va être cool. Voilà. Bon, alors, qu'en pensez-vous de cette histoire-là? Êtes-vous prêt à acheter un iPhone sans prise casque? Regardez la tendance de la question 01 Live Orange. Bah, c'est partagé, mais il y a quand même un petit avantage en faveur du non. Mais je trouve que c'est quand même assez encourageant, ce résultat. Moi, je pensais, sincèrement, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de non que de oui. Là, on est quasi à égalité. Ça prouve que nos internautes
qui nous regardent, eh bien, vont de l'avant, ont compris que finalement, yes. Voilà, l'avenir, c'est peut-être une prise unique pour peut-être avoir des produits encore plus beaux, encore plus fins. Et encore plus cher. Mais après, se pose la question de l'autonomie, parce que plus on fait des smartphones fins, moins on arrive à mettre de l'énergie à l'intérieur, et moins l'autonomie sera importante. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec cette chose étrange que nous a trouvé Jean-Sébastien Zanqui, un smartphone qui a une autonomie de ouf. Restez avec nous pour en parler. Mais tout de suite, c'est Delphine Sabatier. Voilà, Delphine Sabatier, vous le savez, directrice des rédactions de ZeroNet.com. Bonne année, ma chère Delphine. Ah, c'est ce que j'allais dire. Meilleurs vœux, bonne année, meilleurs Delphine. Vœux à tout le monde, ceux qui nous regardent. C'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis bien le début de l'année en plus. Oui. Oui. On ne peut pas vous rater. Hein. Un peu Noël. Non, mais rouge. Un peu Noël, bah non, c'est fini. Tout à fait. Bon, Delphine, bon. Wikipédia. Oui. Parlons de choses sérieuses. The Wikipédia, que tout le monde connaît, bien entendu. Alors, François l'évoquait tout à l'heure, il y a une histoire incroyable. Apparemment, le ministère de l'Intérieur s'est fait bannir de Wikipédia. Ils ont bloqué une adresse IP du ministère parce qu'il y avait quelqu'un au ministère qui n'arrêtait pas d'aller modifier des fiches, puisque vous savez qu'on peut aller corriger les fiches, mais il faut le faire de manière raisonnable. Sinon, les gens de Wikipédia n'aiment pas ça, donc ils se sont fait kicker. Bref, Wikipédia fête ses 15 ans. Ce sera demain, cet anniversaire. C'est l'occasion de faire le bilan. Un petit bilan très positif quand même, hein, parce que Wikipédia donc, est née il y a 15 ans et un petit peu plus tard en France. Hein, c'est arrivé en mars 2001 sur le Wikipédia France. Je dis positif parce qu'il y a eu quand même pas mal de polémiques sur la véracité des informations, sur le problème de source, de modération. Je trouve qu'aujourd'hui, on a passé ce cap-là et que ça fonctionne tout à fait correctement. Ouais. Ah bah oui. C'est une encyclopédie fiable, c'est la plus visitée au monde. C'est même dans le top 5 des sites les plus importants aujourd'hui. C'est sans doute une des plus belles dans le monde du web, hein, quand même. Hein. Exactement, ouais, c'est un magnifique projet. Il y a eu la fondation, je pense, qui a réglé pas mal de problèmes, la fondation Wikimedia. Qui s'occupe en fait de chapeauter l'ensemble de l'encyclopédie. Elle est propriétaire des noms de domaines, des marques et des serveurs du site, mais elle porte aussi tous les nouveaux projets en développement autour de Wikipédia et il y en a pas mal. Alors j'ai noté quelques chiffres là en 2014, c'est quand même une encyclopédie dans 230 langues, 30 millions d'articles publiés, 7000 nouveaux chaque jour. Voilà. Et rien que sur la version française, il y a 1,7 million d'articles et 5000 contributeurs actifs. Quand les contributeurs actifs sont très actifs, sont moins passés 5 fois dans le mois sur l'encyclopédie. Donc c'est une bonne santé. Évidemment, je trouve aussi que c'est révélé par l'affaire d'hier qui a été sortie par le Canard Enchaîné, qui montre que voilà, il y a de la modération. Alors, si vous voulez, on peut revenir dessus. Oui, c'est ça. Donc on a appris que Wikipédia avait banni, Jérôme le disait, une partie du ministère de l'Intérieur. C'est quand même une drôle d'histoire, hein, Delphine. Hein. Oui, c'est quand même assez cocasse. Ouais. Hein. Alors, le motif, c'est foutage de gueule. J'adore. Qui dit ça? Donc la place Beauvau a été expulsée. C'est Wikipédia qui dit ça, voilà, foutage de gueule, attitude non collaborative, passage en force. En fait, c'est une partie des agents du ministère qui sont comme ça punis pendant un an. Ils ne pourront plus intervenir, ils ne pourront plus écrire sur l'encyclopédie depuis cette adresse IP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le ton est monté un peu progressivement. Ça fait pas mal de fois que les modérateurs de Wikipédia alertent le ministère de l'Intérieur en disant « Attention, vous avez fait beaucoup de modifications et notamment… » Il y a un agent secret au sein du ministère qui s'appelle Jean, j'ai noté, Jean 78-120, c'est peut-être le code postal, je ne sais pas. Jules. Pour les gens. Jules, et qui a vraiment joué avec les nerfs, en fait, il a publié des insultes dont nous tairons tout, pour l'instant le vocabulaire. Et donc son adresse IP qu'il utilise au travail, a été bloquée 8 fois déjà, mais plutôt sur des durées courtes. 3 jours et puis un mois, jusqu'à la décembre, ras-le-bol, terminé, on passe une année de bannissement. Oh, mais qui a décidé en fait, qui a pris cette décision? Alors en fait j'ai eu au téléphone le président de Wikimedia, donc la fondation qui gère Wikipédia en France, qui était le président pendant ces 4 dernières années, qui m'a dit que c'était une décision tout à fait courante, normale, rien d'exceptionnel à ça. C'est vrai qu'un an c'est assez sévère, donc on sent vraiment que là on a atteint le ras-le-bol total. Et c'est
surtout sévère parce que finalement, ça touche une adresse IP non pas du vandale, d'une personne, d'un compte en particulier, mais de plusieurs postes informatiques au sein du ministère qui sont connectés via cette IP. Donc ça, c'est assez pénalisant. Peut-être que cette décision sera revue à la baisse au cours des mois prochains s'il ne se passe plus rien d'anormal au sein du ministère. Ouais. Ce qui est intéressant, en tout cas, je trouve, dans cette affaire, c'est que ça montre que la modération existe, qu'elle fonctionne. Donc sur Wikipédia, tout est ouvert, tout est libre, tout le monde peut se connecter, publier, éditer des articles. On parie vraiment sur la pertinence, l'intelligence de chacun. Le travail collaboratif. Mais il y a aussi des gens qui sont inscrits, et donc sur les Wikipédiens, eux, ils ont un compte, ils sont déclarés, et ils font des patrouilles, comme ça, et donc ils surveillent. Et il y a je pars en patrouille sur le réseau, là. De l'autorégulation. et ensuite, une fois qu'il y a des alertes, ça monte jusqu'au conseil d'administration de Wikimedia, et c'est le conseil d'administration qui prend ce type de décision de bannissement. C'est tout à fait hiérarchisé, tout en étant très ouvert et très libre. Ouais. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt une idée qui repose sur le bénévolat, le partage, l'honnêteté intellectuelle, et ça fonctionne depuis 15 ans. C'est assez exceptionnel. Ouais, moi, je dis joyeux anniversaire Wikipédia, bravo. Enfin, bannir les adresses IP du ministère de l'Intérieur, il suffit d'installer un VPN et c'est réglé. Hein. C'est un peu aussi un truc... On verra si le vandale est geek. Non, enfin, franchement, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous changez d'adresse IP. Déjà, il aurait pu changer d'adresse IP au sein du ministère. Non, voilà, donc, il n'a pas pensé à le faire. Il ne savait pas qu'il était poursuivi. Il ne pensait pas qu'il faisait du mal. Et doit-on recommander Wikipédia aux enfants? Ça, c'est une question de fond aussi. Hein. Absolument, on recommande Wikipédia aux enfants en leur expliquant... Il y a des profs qui n'aiment pas du tout. Absolument que tout soit sourcé. Les sources doivent être des sources externe, ça c'est une des règles importantes de Wikipédia, ça permet d'avoir une fiabilité, c'est pas un outil de communication et de promotion, donc les sources externes garantissent quand même une certaine véracité des informations, mais il faut toujours avoir un œil critique sur ce qu'on lit sur Internet. Et attention, copier-coller hein, pour les devoirs. Ça rend de pas Wikipédia. Plus intelligent et donc c'est pas le but. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, c'est un vaste débat. C'est un autre débat, mais c'est vite dit parce qu'on peut pas faire l'impasse sur les copier-coller. Évidemment. Merci. Non, mais on peut faire réfléchir sur les copier-coller. Oui, on copie, on colle, après on réfléchit. Ouais. C'est ça. Faites pas ça. Merci Delphine Sabatier. Merci. Directrice des rédactions de Zéronet.com. Il est 18h22 en direct sur Zéronet TV pour ce 01 Live Hebdo. Dans un instant, Jean-Sébastien Zanqui du Labo. Tadam. Il est revenu de Las Vegas lui aussi, Jean-Sébastien. Il a meilleure mine que nous. Mais c'est vrai. T'as vu, on tire un peu la langue et tout, mais lui, il est... Ah, moi je souffre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Ah oui, au spa de 01net. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est bien ce truc, c'est pas mal. Le spa de 01net est pas mal. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vrai. Bon. Depuis qu'ils ont installé un jacuzzi, en plus, c'est encore mieux. Alors, Jean-Sébastien. Oui. Où qu'il est, le où qu'il est. Il est dans ma main. Il est ici. Qu'il est le Wookitel. Le Wookitel. Donc ce téléphone étrange. L'année 2016 va être difficile. Ouais, ça commence fort. C'est un téléphone assez étrange. J'ai repéré ça en fin d'année dernière. C'est un téléphone. Alors on va le montrer à la caméra. Voilà, qui est juste derrière toi. On parlait tout à l'heure de la volonté d'Apple de faire des téléphones de plus en plus fins. J'ai pas l'impression que ce soit la stratégie d'Wookitel. Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait le truc. Regardez, c'est un peu gros. C'est un peu épais. On va faire un petit point là. Mais ça fait penser, on dirait un mélange entre un Vertu et un Motorola blindé un peu, non? Oui, ou un téléphone des années 90 aussi. Alors, regardez bien. Il a un côté assez futuriste avec les angles biseautés. Mets-le-nous un petit peu voilà, sur la tranche, sur la tranche. On voit un peu sur le côté ce que ça donne. Il y a quand même un petit effort esthétique. Waouh. Hein. Ouais, ils ont voulu faire transformer ça, enfin faire comme un transformer sur leur site. Il y a une espèce de droïde à côté. Ils ont même repris une image d'Iron Man. Je pense qu'ils n'ont pas du tout les droits, mais voilà, ils l'ont repris. Ça a l'air d'être des petits rigolos. C'est une marque chinoise qui est de Shenzhen, donc c'est l'usine de la Chine en termes de smartphone en tout cas. C'est une marque qui s'est dit, tiens, les gens en ont marre d'avoir un téléphone, des smartphones qui ne tiennent qu'une journée, voire moins. Et si on faisait un téléphone qui tient 10 jours? Alors, ils promettent une autonomie de 10 jours. Alors, pour y arriver, alors c'est pas une pile à combustible, c'est pas une technologie incroyable. C'est tout simplement une batterie de 10 000 mAh. Donc, en gros, c'est 3 ou 4 fois plus que n'importe quel smartphone qu'il y a sur le marché. Mais c'est le premier téléphone à avoir une batterie aussi grosse. Tout à fait, ouais. Ils avaient déjà sorti un téléphone avec 8 000 mAh. Il y a certains téléphones sur le marché qui ont 4000 mAh mais qui sont encore fins, on va en parler utilisables. Dans un instant, hein, le Mate 8, je crois, Tout à fait,
et qui a une très bonne autonomie d'ailleurs. Mais celui-ci, ils se sont dit, bon, 10 000. Alors on va y aller, on met les watts, c'est parti. Bon, vous avez vu le résultat, ça donne un téléphone qui... Voilà, il n'y a que de la batterie dans ce téléphone. Il n'y a que de la batterie. Et d'ailleurs, il sert à recharger d'autres appareils, si on veut. Ah oui, on peut recharger à partir du téléphone. On peut recharger 3 fois un iPhone 6S Plus, par exemple, avec. Et c'est quoi ça? Et alors ça, voilà, c'est une vidéo du constructeur qui a mis en batterie 10 K10000, il s'appelle le K10000, ouais, pour faire marcher une plaque chauffante qui fait bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes. Non, voilà, donc si vous achetez 10 téléphones, vous pouvez faire cuire vos pâtes. C'est le constructeur qui a fait ça. Oui, c'est le constructeur qui a fait cette vidéo de démonstration. Ils ont vraiment de l'humour. Hein. Oui, ils ont beaucoup d'humour pour le coup. Puis en même temps, vous avez la recette des pâtes chinoises. Ouais, exactement. Moi, je file les mains dans l'eau et puis ça fait un petit ramen. Et ah ouais, donc oui, bon, ça sert à rien. Ça prouve en tout cas qu'avec 10 Wikitel, on peut manger. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'on tient véritablement une semaine? Est-ce que la promesse est tenue? Non, la promesse n'est pas tenue. En plus. Mais en revanche, quand même, il met par terre toute la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, en utilisation polyvalente, c'est notre test qu'on fait au labo, voilà, il tient 24 heures d'affilée. C'est-à-dire que, imaginez, vous passez une nuit et une journée entière sur votre téléphone, à fond, écran allumé, à fond, à jouer, à être sur Facebook, etc. Voilà, c'est une journée entière en communication. Il tient 3 jours d'affilée. Pour le coup, vraiment, là, c'est clair. Et au niveau performance, tout ça, il vaut quoi? C'est quoi comme processeur? Alors c'est un MediaTek 4 coeurs 1 GHz et franchement c'est pas terrible. Je l'ai utilisé toute la journée. Bon, j'ai perdu 10% de batterie, hein, toute la journée. Ça c'est la classe. J'ai joué à des jeux 3D, tout ça. Bon, j'ai presque rien perdu. Mais c'est vraiment pas terrible. Pour le coup, en termes de jeux 3D, on va avoir 22 images secondes. On est là, ça rame. Enfin voilà, c'est pas génial. Bon, ils ont fait un coup. Ouais. Donc si vraiment vous avez besoin d'un téléphone qui tient longtemps, ce modèle là est vraiment bien. Il est sorti, ça coûte combien? Il est sorti, il est dispo chez certains importateurs sur leur site et ça coûte 170 €. Ah ouais, c'est pas cher. Donc c'est vraiment pas cher. Ouais. Et Caribou nous demande s'il a une fonction faire à repasser avec ce volume tourner beaucoup et peut-être que le processeur va chauffer avec voir. Alors en le truc de la fonction plaque chauffante. Ou Wikitel aime bien faire des trucs un peu rigolos. Oui. Hein, visiblement. Donc ils ont sorti ce téléphone, mais ils ont un autre téléphone. Voilà, ils ont un autre téléphone aussi. Qui lui est fait pour ceux qui cassent tout le temps leur téléphone. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça. Et alors comme vous voyez là sur la vidéo, il est très solide. Alors parce ça fait quand même un peu mal au cœur cette vidéo. Il plante des clous avec son téléphone. Au lieu de prendre un marteau, pourquoi prendre un marteau? Autant prendre son smartphone, on l'a dans la poche tout le temps avec son. C'est tellement évident en plus. Donc on le prend et on plante des clous. Directement avec l'écran du smartphone, hein, c'est l'écran, donc c'est pas le dos, on y va direct et il casse pas. C'est-à-dire bah, l'écran. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des clous de plus en plus gros. Hein, ah oui, il monte en puissance et vous voyez vraiment, il n'y a pas l'écran n'est pas touché, tout se passe bien. Et mais c'est pas celui avec la grosse batterie, ils auraient pas pu faire. Alors non, c'est pas les mêmes. Alors on pourrait peut-être faire les deux, mais alors si on fait les deux, à mon avis, il va peser 500 grammes. Quoi. Déjà celui-ci, celui avec la grosse batterie, c'est 300 grammes. Sacrée performance, parce que je suis sûr que si on commence à faire ça avec un iPhone, tu utilises un iPhone par clou. Voilà, un iPhone par clou, ce qui fait le marteau le plus cher au monde quand même. Marteau de luxe. L'armoire la plus chère du monde. D'accord. Bon bah voilà, hein, Wikitel. Oui, c'est une marque assez marrante, on va suivre un petit peu ce qu'ils font dans le futur, ça a l'air chouette. Jean-Sébastien, pour terminer, un mot sur un téléphone que vous avez découvert pratiquement en avant-première la semaine dernière au CES de Las Vegas. C'est le nouveau Huawei qui a été annoncé lors d'une conférence au CES. C'est le Huawei Mate 8 que vous avez entre les mains, qui est un très très beau téléphone. Oui, alors c'est le nouveau nouvelle phablette 6 pouces de Huawei. C'est intéressant parce qu'ils ont annoncé en tout cas faire des efforts. Donc on a dit sur la batterie, c'est une batterie de 4000 mAh. Effectivement, on a fait un test en labo en autonomie polyvalente, il est à 12 heures, donc c'est un très bon score, c'est le meilleur score d'ailleurs chez Huawei, de tous les smartphones Huawei qu'on a testé. Et on n'a pas encore testé à fond la photo, mais les premières manips que j'ai pu faire dessus, on voit qu'il y a quand même quelque chose, un bond en avant fait par Huawei. Oui, parce que Huawei pêchait un petit peu. Hein, complètement, ils avaient vraiment du mal là-dessus, mais c'est vrai qu'au CES, ils ont annoncé d'ailleurs pendant leur conférence qu'ils avaient investi depuis 3 ans
98 millions de dollars en recherche et développement sur le processeur d'image. C'est-à-dire que le capteur, c'est un capteur Sony, mais le processeur d'image, c'est un capteur, c'est un processeur maison. Et ils ont vraiment fait des efforts là-dessus. Et on voit que c'est assez lumineux quand même. On a un peu comparé. Alors, c'est pas fait sur un moniteur côte à côte avec des photos de Galaxy S6 Edge, par exemple, qui est la référence, clairement. Et quand on met les deux téléphones côte à côte de la même photo, on a du mal à voir la différence. Ah, donc, c'est vraiment prometteur. Là, on va tester ça vraiment en profondeur au labo avec nos mirrors, etc., pour voir vraiment en détail ce que ça va donner. Mais c'est vraiment prometteur et bel écran, voilà, de 6 pouces et aussi capteur d'empreinte, capteur d'empreinte digitale au dos également. Bonne autonomie. Et il se recharge aussi en 30 minutes de recharge. Voilà. On a une journée d'autonomie. On a une journée d'autonomie. C'est, pas mal, hein, c'est vraiment intéressant. Ils promettent aussi un peu plus de 2 jours d'autonomie avec ce modèle-là. Donc on va creuser nos tests et on va vous donner ça sur TheRonet.com. La semaine prochaine donc. Merci beaucoup. Très bien. Huawei, le constructeur à suivre. Ouais, même si ce sera quand même pas facile de s'imposer. Non, face mais à Samsung, ils ont des moyens, ils ont beaucoup de moyens et ils progressent de modèle en modèle. Tout c'est quand même impressionnant. Et en termes de notoriété aussi, donc voilà. C'est une marque à suivre. Tiens, puisqu'on parle de smartphone, un mot sur la fin du mois de février qui va être passionnante sur TheRonet TV parce qu'on sera au Mobile World Congress. Et je peux vous dire que Salon ça commence un petit peu à fuser dans tous les sens. Oui, à Barcelone, Jérôme, on va avoir un nouveau Samsung, sans doute le Galaxy S7, un nouveau LG, sans doute le G5, alors peut-être qu'il s'appellera autrement, mais visiblement, il va être annoncé. Huawei va faire une conférence de presse aussi pour annoncer de nouveaux modèles. Et puis tous les autres, hein, les Wiko, Sony aussi, etc. Sony. Enfin bref, on va avoir du taf, comme on dit là-bas. Bien, on va en prendre plein les mirettes. Ouais, et ça s'annonce passionnant, ça sera fin février, je crois, vers le 22. Le 21, première conférence et le 22, l'ouverture du salon. François, avant de se quitter, un petit tour du côté de la question 01 Live Orange. Question du jour, achèteriez-vous un iPhone sans prise casque? Ben, on est toujours peu relativement équilibré entre le oui et le non, avec un petit... Une petite préférence pour le non, mais franchement, c'est vraiment de courte tête. Hein. Mm-hmm. Ouais. Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Réponse. Lightning ou pas Lightning exclusivement sur l'iPhone 7? Moi je trouve que ça serait une bonne idée aussi. Ouais, moi aussi j'aime bien les décisions radicales d'Apple qui font progresser souvent et faire suivre tout un marché derrière. Mais il faut un adaptateur avec, dans la boîte, obligatoirement. Oui. Et puis, il faut aussi un casque. Voilà, c'est la bonne réponse en septembre, puisque ça devrait être dévoilé au mois de septembre. Exactement, on suivra ça sur TheRonet TV. Merci de nous avoir suivis. Merci, c'est la fin de ce 01 Live Hebdo. À la technique, il y avait aujourd'hui Florian Beaufreton, Pierre Thiolin et Jérôme Giliberto. Merci à eux trois. Merci de nous suivre aussi, bien sûr, que ce soit en direct ou en replay sur TheRonet TV, sur YouTube et sur Dailymotion. Et on se retrouve, bien sûr, vous le savez, tous les jours pour toute l'actualité high-tech en vidéo sur TheRonet TV. Portez-vous bien. À bientôt.